monde en a parlé a retrouvé Jean-Luc Romero à Paris, dans le 12e arrondissement. La première chose que fait l'homme politique le matin, c'est regarder les infos. Le matin, je ne reste jamais très très longtemps chez moi. Non, je préfère me lever à la dernière minute. Où je me couche en général très très tard. Sida, euthanasie, don du sang, vu tous les combats qu'il mène, Jean-Luc Romero est un homme très demandé. Allô ? Ouais, salut, ça va ? Bon, tu me rejoins là aujourd'hui pour cette longue journée ? D'accord, bah à tout de suite. Bon, mais il va être l'heure d'y aller. Et les journées sont chargées. Ce matin, Jean-Luc Romero rejoint son assistant, direction le conseil régional d'Île-de-France. Mon quotidien, c'est comme tout le monde, le métro. Je trouve ça plutôt bien. J'ai plus de voiture que j'ai vendue il y a un an, parce que je ne m'en servais pas à Paris. Pas une minute à perdre. Sur le quai et dans le wagon, il relit rapidement le discours qu'il va prononcer lors de la séance plénière. On arrive au Conseil régional d'Île-de-France. J'ai assisté à la séance plénière qui a lieu depuis hier. En général, c'est des sessions de deux jours. Salut, tu vas bien ? Ça va, Jean-Luc ? Ouais, toi ? Je vais peut-être passer au Sénat cet après-midi. Ah bah ouais, essaye de passer, ce serait sympa. Prochaine étape, les bureaux de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Jean-Luc Romero en est le président depuis 2007. Ben là, le programme, ça va être de signer les paraffeurs, de voir le point pour la réunion que je fais demain à Saint-Brieuc, de faire le point. Par son lobbying, à travers des actions médiatisées, Jean-Luc Romero entend obtenir le vote d'une loi autorisant l'euthanasie. Ils m'ont pas rangé sur la photo. Je sais pas d'où elles sont. Ouais. Puis après, on déjeune. Après un déjeuner rapide, il se rend chez son éditeur. Quelle heure il est ? Ah oui. On a combien ? Porte. Non, je crois que c'est là. Hein. J'ai jamais la bonne porte. Attends, j'ai le numéro. C'est là. Hein. Et c'est Jean-Luc Romero. C'est quel étage déjà ? Combien ? Ok. Le chevalier des arts et des lettres écrit actuellement un livre sur les hommes politiques et l'homosexualité. Ah bah c'est bon. Bonjour. Bien avancé. Donc tu vois là, je suis au chapitre Quel combat ? J'ai fait... Il y en a un que je vais supprimer. J'ai fait homo politique, ça tu l'avais vu, c'était le premier, ouais, mais bon, qui a beaucoup encore changé. Tu vois, j'ai bien bossé, je suis assez content. Dernier rendez-vous de sa journée au Sénat, dans le cadre de la lutte qu'il mène contre le sida depuis plus de 15 ans. C'est les 15e états généraux d'élus locaux contre le sida. Il n'y a jamais autant de gens qui ont vécu avec le sida, mais on n'en a jamais aussi peu parlé. Cette maladie est totalement invisible et il faut faire un bruit de fond. Des personnalités politiques sont présentes. Comme chacun le sait, malheureusement, aujourd'hui, il est difficile de mobiliser autour de la lutte contre le sida. Je me déplace depuis maintenant 15 ans pour élus locaux contre le sida. J'ai vu au fur et à mesure les salles se vider. J'ai vu les associations disparaître au fur et à mesure. Et je crains malheureusement que ce ne soit pas la fin. Et paradoxalement, près de 160 000 personnes qui vivent avec ce virus. Jean-Luc Romero mènera-t-il un jour l'un de ses combats au sein d'un gouvernement ?